Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Je suis joie, je suis amour, je suis... Je sais pas. Je suis trop contente, voilà. Aujourd'hui, c'est un try-on de la marque Shein. Je suis hyper, méga, ultra, giga ravie de travailler avec eux parce que j'attendais ce partenariat depuis la nuit des temps. Je comprenais pas. Je me suis dit, mais moi, ils veulent pas de moi. Pourquoi? Si vous vous demandez, je me suis maquillée avec la palette Yemoja de chez OPV Beauty et sur les lèvres, je porte le Angel de chez MAC. Voilà. Bah oui, effectivement, je fais beaucoup de try-on, grande taille, mais moi, ils en ont... voilà. Donc je vous avouerai que je les ai un petit peu harcelés et ils ont fini par me répondre. Donc je suis trop contente parce que on va dire ce qu'il en est, malgré le fait que je fasse beaucoup de try-on en partenariat sur ma chaîne, j'attendais Shein parce qu'il y a quand même du haut level. On va dire que lorsqu'on parle site asiatique, grande taille, avec des trucs pas chers et des trucs plutôt stylés, on pense systématiquement à Shein. Je dénigre pas les autres marques parce que je travaille avec eux et je les adore. Mais j'attendais quand même que le patron du patron me remarque. Coucou. Et bah ça y est, enfin, j'ai reçu des produits. Alors au début, ils m'ont dit... Là, j'ai fait ma relou, hein. J'ai fait ma diva. Ils m'ont dit, oui, on va vous envoyer 3 produits. Comment voulez-vous que je fasse un try-on, une vidéo complète avec 3 produits? Donc du coup, ils m'ont dit, allez, 5. J'ai dit bon, ça me va déjà mieux. Donc j'ai pu choisir sur leur site plein de trucs. J'avais déjà fait une commande sur le site de Shein. J'avais commandé des bijoux et un pull. Et le pull, c'était juste une grosse catastrophe. On va pas revenir là-dessus. Mais voilà, je le mets quand même, soit dit en passant. Et donc voilà, mais comme j'avais un compte sur leur site, j'avais un panier et une wishlist blindé à craquer, tout ça. Alors en fait, ce site, c'est le site le plus francisé, on va dire, des sites asiatiques, parce que vous avez les tailles aussi bien en taille genre 2XL, 3XL, nanana, mais vous disent aussi à quoi ça correspond en français. Vous avez vraiment plein de commentaires français, tout ça. On se repère un peu plus. On peut même se demander si c'est pas français, mais pas du tout. Donc voilà, en fait... Bah, j'étais rassurée et puis j'ai vu beaucoup de mes copinotes qui avaient beaucoup de partenariats avec eux et je disais à Elodie, je me dis mais tu te rends compte? Je dis moi, ils ne connaissent pas. Bon, en même temps, vous n'êtes pas obligé de me connaître. Hein. Mais j'ai dit voilà, moi, je fais tellement de trucs pour la grande taille, des try-on, des machins. J'ai dit pourquoi moi, ils veulent pas de moi? Et au final, bah c'est moi, à force de les avoir à l'usure, ils ont fini par me répondre. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un site qui est asiatique. Vous trouvez des vêtements pour les femmes, pour les enfants, pour les hommes, mais également pour les grandes tailles, que ce soit hommes ou femmes. Il me semble que les hommes, il y a de la grande taille. Enfin, ça va, les tailles sont assez quand même, assez grandes. Et ce sont des choses qui sont hyper fashion, pas chères du tout. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus, comme tous les sites asiatiques. Fiez-vous au guide détail, fiez-vous aux commentaires, surtout que là, Shein, c'est vraiment mondialement connu. Vous avez des commentaires de tout le monde entier. Vous avez l'application mobile et vous avez également le site internet. Donc voilà, vous ne pouvez pas vous louper normalement. Alors, j'ai commandé du coup 2 jeans, 2 pulls, enfin 2 petits tops et un manteau. Voilà, je suis trop contente. Pour tout vous avouer, j'ai fait le try-on essayage de tout ça hier. Donc j'ai tout sorti des trucs et tout. Et ce matin je suis sortie, j'ai fait des courses et tout ça. Et j'avais mis le manteau. J'ai un peu triché. J'avais déjà fait le try-on. Là juste je vous présente les vêtements mais je me décalerai. Et je vous mettrai le try-on juste à côté de moi. Voilà. Je suis trop contente. Vous allez voir, il y a des trucs improbables. Mais vous me connaissez, vous savez comment je fonctionne. Je me décale. Alors on va commencer par quoi? On va commencer par la première tenue en fait que j'ai faite avec le pull, le jean et j'avais rajouté également le manteau. Donc on va commencer par ça. Alors pour information, avant que je reçoive des commentaires en me disant t'as copié, nanana,
Il me semble que Danisha, les pulls, il me semble que c'est ceux qu'elle avait pris. Ou alors très très fortement inspiré, j'avais adoré. Donc quitte à recevoir des vêtements, autant que ce soit des vêtements que j'adore et que j'ai envie de porter. Mais il me semble que c'était ceux-là. Je me rappelle avoir laissé un commentaire sous sa vidéo en disant j'aurais pris exactement la même chose. Donc bah j'ai pris. On reçoit ça dans des pochettes comme ça qui se referment, des pochettes zip. Franchement je suis trop contente. Je suis trop contente. Bah quoi, j'ai droit d'être contente, non? Franchement, j'attendais ce... Même vous, vous me laissiez des commentaires en me disant « Mais Marie, quand est-ce que tu fais un try-on avec Shein ?» Après, oui, je peux commander de moi-même. Hein, j'ai commandé plein de bijoux chez eux, des trucs comme ça. Mais je, par principe, je me suis dit « Oh, je voudrais exploser le... » Vous savez quoi? Voilà, qui m'envoie un beau budget et qu'avec ce beau budget, je puisse me prendre plein de trucs. Donc voilà, j'espère qu'on travaillera de nouveau ensemble parce que j'ai reçu des trucs. Je suis tellement, tellement contente. Alors, première chose que j'ai prise, je l'ai pris en 2XL. C'est un petit top comme ça. Il est trop beau avec les manches bouffantes et matière pied de poule comme ça, pied de coq parce que ce sont des plus gros motifs. Donc quand c'est plus gros, c'est pied de coq. Et c'est bouffant sur les manches comme ça, il est trop 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 bien, moulant et tout, donc vous pouvez le rentrer dans le pantalon, vous pouvez le mettre par-dessus votre pantalon aussi, il est vraiment trop trop beau, et j'adore, c'est tout à fait mon style. Oh, ils ont un rayon de body les gars, pour la grande taille. Oh, vous savez que j'adore les body, je me suis retenue. Je vais pas me retenir longtemps, je vous le dis. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, il est vachement bien et il est élastique et tout. Donc voilà, j'adore, il prend mes courbes comme ça et tout, avec comment je me sens trop pour Beyoncé, voilà. Beyoncé, si tu passes par là. Donc voilà, premier petit top comme ça, à chaque fois il y a la petite étiquette Shein dessus, avec la taille et tout, et franchement... Ça pue pas, c'est nickel. Que demander de plus? Avec sur le try on, j'ai mis ceci. Donc cette fois-ci, c'est pas une pochette zippée, mais ça me dérange pas. Alors il faut savoir que je voulais des jeans mom, parce qu'ils ont des jeans pour la grande taille. Oh là là là, ils ont vraiment toutes les formes. Des trucs fashion, des trucs des trucs que tu trouves pas. Quand tu vas à la halle ou chez Kiabi, t'as pas ça quoi. Quoique j'avais déjà acheté un beau jean mom chez Kiabi. Enfin bref. Du coup, je me suis dit, je veux tenter un truc. Et j'ai tenté et j'ai adoré ce que j'ai tenté. Je suis trop contente. Je voulais prendre un jean. Donc, j'ai pris ce jean-là en... Hop, c'est un 4XL, il me semble, celui-ci. Ouais, les jeans, j'ai pris 4XL. En fait, la coupe monte vachement haute devant. Et il y a l'effet comme ça derrière qui fait que ça fait un peu le jean mom. Mais c'est un jean mom... Enfin, c'est pas vraiment un jean mom. Il est resserré en bas. Vous voyez, il y a un petit élastique comme ça en bas. Alors, il n'est pas du tout extensible. Hein, donc, j'ai bien fait de prendre 4XL. Et voilà, du coup, vous avez une petite pochette, enfin une petite poche sur le côté comme ça. Alors, vous allez me dire, ça grossit la cuisse. Oh, pff, elles sont déjà grosses, mes cuisses, de toute façon. Donc, voilà, je suis plus à ça près. Et je suis trop, trop contente. La matière et tout, ça fait très môme les fesses qui montent vachement haut comme ça. Et ça, vous portez avec un body... Je pense un petit body noir, des petites baskets, des petites running noires, des petites running jaunes, roses, peu importe. Hein. Voilà, et puis c'est trop bien. Enfin, moi j'ai le... Enfin, je suis trop contente. Enfin, voilà, j'ai trop hâte. Je vais aller tout laver parce que voilà. Mais j'ai trop hâte de le porter. Par contre, il est légèrement décousu au niveau de la fermeture éclair. J'ai vu ça, là. C'est juste un petit point à refaire, là. Il y a juste un petit truc comme ça qui n'est pas cousu, en fait. C'est pas grave, même quand je le portais ça se voyait pas, donc moi sur tous les try-on j'ai mis une ceinture, hein. Pour info j'ai mis une ceinture parce que j'ai besoin, hein, j'ai la taille marquée, donc j'ai besoin et je suis, voilà, j'adore. Ma soeur quand elle a vu elle dit c'est quoi ça, je lui ai dit attends, quand tu vas me voir porter ce truc tu vas le vouloir. Et pour cette tenue, ce que j'ai pris également, toujours dans une pochette comme ça zippée, j'ai pris un manteau. Il est trop beau. Alors par contre, moi je fais 1m70, je suis vachement étonnée, hein, parce que si vous faites, si vous êtes beaucoup plus, enfin si vous êtes plus petite que moi, même je pense 1m60,
ça va pas le faire. Moi, il m'arrive carrément aux chevilles. Hein. Il est très très long. Mais c'est exactement ça. Parce que moi, je trouve pas du coup de... Je l'ai pris en 2XL. Je trouve pas du coup de manteau assez long, quoi. Enfin, j'en ai quelques-uns. Mais... il est canon, ça fait, c'est trop mon style, c'est trop mon style. Ce genre de manteau comme ça, il est en espèce de peau de chamois, je sais pas comment vous expliquer. C'est pas du cuir, hein. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de, de bouton, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de passant non plus pour les ceintures. Mais il est parfait, il est parfait, il est parfait. Franchement, je suis trop étonnée. Moi j'adore, j'ai retroussé les manches. Donc c'est pour vous dire qu'il est même pas court au niveau des bras, il est parfait. Il a deux grandes poches sur le côté et voilà, il est trop top. Bon, celui-ci j'ai pas besoin de le laver, du coup je vais aller le mettre directement dans ma penderie. J'ai l'air fine comme ça, mais il est trop bien. Bon, la matière au début au toucher j'ai eu un peu peur, mais finalement à porter c'est plutôt agréable. Et il tient chaud sans tenir chaud en fait. Bien sûr c'est pas le gros manteau à doudoune avec la fourrure et tout ça qui est doublé. Il est vraiment dans son jus comme ça, il a pas de doublure et tout. Mais c'est un espèce de pot, vous voyez, on voit ça souvent. Enfin ça se fait beaucoup en ce moment, les petites matières comme ça, les petites vestes un peu en croûte de cuir, en cuir retourné. Enfin vous avez compris ce que je veux dire. Ah j'adore. J'adore, je suis trop contente en fait. Dernier look du coup, avec les deux dernières choses que j'ai reçues. Je suis en train de tout éclater ce que j'ai devant moi. Donc j'ai pris un top et un autre pantalon. Alors ce top, il est magnifique. J'adore le jaune, j'adore quand il y a des perles, des francs freluches, des machins. Ils ont plein de tops comme ça, j'ai eu vachement... J'ai mis une heure à choisir ce que je voulais alors que j'avais déjà mon panier de fées. C'est pour vous dire... Donc j'ai pris ce top là, c'est un top jaune, je l'ai pris en 3XL. J'ai bien fait parce qu'il n'est pas du tout extensible. Pareil, on retrouve les grosses manches bouffantes. Comme ça vous le voyez, jaune citron alors qu'il est jaune. Il est trop beau, ils ont sur leur site toute une gamme de manches bouffantes comme ça. Vous tapez manches bouffantes, vous verrez, vous aurez tellement de trucs. Et ensuite, hop, alors ça c'est l'intérieur du col. Vous venez refermer le col avec ce long ruban qui est juste trop beau. Il arrive pile poil au niveau de mon bas du ventre, donc nickel. Ça c'est le genre de chemise que je porte uniquement à l'intérieur d'un pantalon, je ne porte pas à l'extérieur. Et sur les manches comme ça, le détail qui tue, qui fait toute la diff, vous avez des petites perles. D'ailleurs, c'est là, ouais, heureusement. Ils vous mettent également dans le sachet d'autres perles. Ça, faut pas que... Hop, je vais le mettre directement dans mon truc de couture. Et voilà, donc il est un chouille transparent, on va pas se mentir. Après, c'est pas grave, je vais mettre un soutif basique, vous savez, sans motif, sans rien, vraiment, pour que ça passe... Voilà. Et ensuite, dernière chose, toujours dans un sachet zippé comme ça. Alors là, autant vous dire que quand ma sœur elle l'a vu, elle a fait... toujours esprit môme, esprit un peu pantalon... En fait, ça fait un peu comme un cargo. C'est un cargo? Non, plus treillis en fait. Plus treillis. Là, bien sûr, ça va pas avec le pull que j'ai mis sur la vidéo, sur le try-on. Mais croyez-moi, quand je vais le porter... Je vous referai des tenues sur Instagram. Suivez-moi sur Insta. Donc j'ai repris un pantalon. Alors il y a plein de fils de l'autre truc dessus. J'ai repris un pantalon très taille haute comme ça, avec des poches aussi sur le côté, qui se resserre en bas. Et celui-ci par contre il a des ouvertures, il a des déchirures et tout ça. Bon là vous verrez rien, mais vous verrez sur le try-on. Et il est trop beau. Il est trop beau. Je l'ai pris en 4XL, hein, il me semble aussi celui-ci. Hop, Shein, 4XL, effectivement. J'adore. Il est épais et tout. Alors, il n'est pas non plus élastique, mais c'est pas grave, c'est un effet... bon, de toute façon, sur moi, il tombe pile poil. Il est vraiment choquée, quoi. Il est vraiment... enfin, voilà. Et il était livré, par contre, avec une chaîne comme ça. Alors ça, c'est pas du tout mon délire, mais je l'ai vu hein, sur le site, hein, la chaîne. Mais je me suis dit, de toute façon, j'ai vu que ça s'enlevait. Hein, c'est des petits trucs comme ça, là. J'ai vu que ça s'enlevait, j'ai dit, je vais l'enlever. Après, si j'ai envie de me faire un style, j'ai envie de dire, pourquoi pas, un style un peu skater, même si c'est pas mon... Voilà, j'ai 35 ans, quoi. Vous me direz, il n'y a pas d'âge pour
se faire kiffer avec la mode quoi. Mais vous pouvez le mettre après, body noir, le pantalon, des chaussures un peu genre Stan Smith ou des Air Force. Et vous mettez la chaîne si vous voulez. Moi perso la chaîne c'est pas trop mon délire. Je ne pense pas faire ce genre de look là. Mais sachez que c'est à vous de créer votre look. Moi quand j'ai vu les pantalons je savais déjà ce que je pouvais en faire. Perso je le porterai avec un petit pull et tout. Soit un petit pull oversize que je rentrerai devant comme ça. Et puis pareil des petites chaussures et tout. Des petites baskets un peu running aussi. Des toutes fines. Ou alors pour casser le look vraiment même des derbies j'ai envie de dire. Croyez-moi, je peux tout faire. Au niveau de la mode, je m'interdis rien. Vous savez comment je fonctionne maintenant. Hop, je suis retournée au milieu. Voilà, voilà pour les pièces que j'ai reçues de la part de Shein, honnêtement. Est-ce que vous trouvez ce genre de pièces dans les magasins à côté de chez vous? Franchement, je suis trop contente. On a de plus en plus accès à de la mode, à des choses qu'on peut pas... On a accès à tout maintenant, qu'on soit gros, qu'on soit mec, qu'on soit grand, petit. On a vraiment... voilà. Et c'est ça qui me fait plaisir et c'est ça que je veux vous amener en fait, que je veux vous montrer. Parce que oui, effectivement, je pourrais rester à faire des vidéos make-up. Mais non, il faut vous montrer tout sur YouTube. Vous n'avez pas besoin que de voir des sananas et des Enjoy Phoenix. Il y a aussi des gens comme moi... voilà, avec du bide, du gras, des vergetures et des bourrelets. Ah ça va, c'est ça la vraie vie, hein, faut arrêter. Hein. Elles sont très belles, hein, soit dit en passant, mais bon, ça me reflète pas. Donc si vous êtes comme moi et que vous avez envie de voir des gens normaux, et bah dites-leur, Shein, renvoyez-lui des produits. Ah non, je suis vraiment trop contente. J'ai tout reçu gratuitement. J'ai pas été rémunérée, hein, bien sûr, pour la vidéo, pour vous en parler. Voilà, c'est juste un test pour pouvoir vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, je suis trop contente. Je me suis empressée de faire la vidéo. J'ai reçu tout ça hier. Je me suis empressée de faire la vidéo pour pouvoir les porter. Donc vous allez les revoir passer, croyez-moi. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce site, même si je sais que vous connaissez ce site. Parce que vous me demandez tous... De faire des revues sur Shein et tout ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Vous, quelles sont vos pièces must-have du moment? Qu'est-ce que vous avez envie de porter? Voilà, je vous demande des trucs comme ça à chaque fois. D'ailleurs je crois que je vous ai déjà demandé ça la dernière fois. On s'en fiche. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.